À toute la population des Bolova, plus précisément ici au carrefour des Azams. Je dis bonjour à toute la population en place. Je suis l'envoyé de Dieu pour Niger, serviteur de l'Éternel, accompagné du frère David et du frère Isaïe, envoyé pour apporter une bonne nouvelle au peuple des Bolova. En ces temps de la fin. Mais bien aimé, avant de continuer toute chose, nous allons prier. Père, au nom de Jésus, alléluia. Je te recommande ce lieu éternel, que ton règne vienne, que ton règne descende, Père. Assiège ce lieu, ô Dieu, que tout ce qui n'est pas de toi, dans ce carrefour, sur ces agents, sur ce lieu, sur ces roues, dans ce lieu, soit détruit au nom de Jésus. Père, je te prie. Que toute pensée soit maintenue captive à ta parole, à ce qui va être dit par ton Saint-Esprit. Esprit de Dieu, embrase les vies, embrase nos cœurs. Remplis-nous de ton feu, que ta parole sorte avec autorité puissante. Brise les roches, brise les forteresses, renverse les fondements en ce lieu clair. Au nom de Jésus, que l'armée des anges. Guerrier des âmes maintenant et assiège ce lieu pour renverser tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu, Père. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus-Christ sur ces appareils, le sang de Jésus dans ce carrefour, sur ces roues, j'invoque le sang de Jésus dans les airs. Père, que le sang de Jésus établit une muraille de protection autour de chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce pensée soit maintenue captive à ce qui doit être fait et dit maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que Satan et ses agents se taisent et soient paralysés. Au nom puissant de Jésus, que l'honneur, la gloire, que le bien Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Fuis le péché. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Il est à nous. Il est à nous. Il est à nous. Repentez-vous. Il est en route. Il est en route. Il est en route. Il est en route. Jésus revient. Jésus revient. Jésus te vient. Oh, 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 oh. Il a pris, il m'a sauvé à la croix. Hey, il m'a sauvé du péché. Hey, oh, oh. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient.
est en route. Il est en route. Il est en route. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Répandez-vous. 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 Après que l'homme est chuté dans le jardin d'Éden, il a été chassé du jardin par l'Éternel à cause du péché. Ainsi l'homme pouvait expérimenter non seulement la mort spirituelle, même aussi la mort physique. Par ces jours avaient été réduits à cause de la corruption, le péché. Mais bien aimé, l'homme étant dans le péché, étant mortel, après la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a mis sur pied un autre plan, le plan de la rédemption. Et pour accomplir ce plan de la rédemption, il a fait lui-même mourir son fils Jésus-Christ. Il est descendu dans une chair semblable à la tienne et à la mienne. Il a quitté son trône. Il est descendu dans une chair semblable à la tienne et à la mienne. Il s'est laissé flageller, il s'est laissé bastonner, il s'est laissé humilier. Il s'est laissé appeler à la croix de votre sang. Vous accordez une nouvelle chance, une possibilité de se libérer du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce matin, le Seigneur me dit ce qu'il dit, il t'aime encore. Il a pas possible pour toi de te sauver. Raison pour laquelle il a accepté de monter à la croix, verser sur ça pour que tu sois sauvé. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour toute l'humanité. Toi qui m'écoutes dans le monde entier, là où vous me regardez, là où vous m'écoutez partout dans le monde entier. Jésus est mort pour toi qui m'écoutes. Oui, jeune homme, Jésus est mort pour toi. Jeune femme, Jésus est mort pour toi. Monsieur, Jésus est mort pour toi. Il a versé son sang à la croix pour te sauver, pour te racheter. Nous continuons notre lecture. Nous lisons dans Romains. Acte d'abord, acte 4. Acte 4, le verset 2. Parce que l'homme aujourd'hui cherche à se réconcilier avec Dieu à cause de ses désirs et de cette nature d'adoration que Dieu avait déposé dans son cœur. L'homme est en train de chercher Dieu au mauvais endroit. Plus Dieu cherche Dieu en bas des arbres, en bas sur les cailloux, dans les eaux, sur les montagnes. Cherche Dieu par les traditions, par les coutumes de leur père. Mais Dieu ne se trouve pas à ces endroits, bien-aimé. Écoute, bien-aimé, la parole de Dieu. Je vais te dire là où et le moyen par lequel tu pourrais passer pour rencontrer ton Créateur. Acte 4, verset 2. Acte 4, verset 2. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Qui a été donné parmi les hommes. Qui a été donné parmi les hommes. Par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être sauvés. Est-ce que nous nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Par le nom des cailloux. Par le nom des rivières. Ni le nom des concessions des parents, ni le nom des familles, ni le nom des coutumes que nos pères nous ont laissés, ni le nom des sociétés, ni le nom des dieux des sociétés, ni la femme à soleil, ni la haut de croix, lui, ni étanka, toutes ces choses ne peuvent pas te sauver, bien-aimé, ne peuvent pas te sauver. Tu as longtemps adorer les idoles, même ces soi-disant de Marie, mère de Jésus entre guillemets, ne peut pas te sauver. Ne peut pas te sauver. La Bible déclare qu'il y a un seul nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Ce nom c'est Jésus. Amen. Et c'était Jésus le seul de présentation ce matin. Car il a versé son sang, son sang à la croix pour toi. Il a accepté de mourir. Pour te sauver du péché, il a accepté d'être flagellé, meurtri.
Ce matin, je suis venu te dire, jeune homme, qui me court, il est content pour toi d'être sauvé. Dans ton temps, disons Romains 10, verset 11. Oh bien-aimé, il a encore pour toi de bénir en Jésus avant que la mort ne te surprenne. Car après la mort, il n'y a plus de la papa, ça sera le jugement. Mais à cause de l'amour de Christ, il veut encore te sauver. Il veut encore faire des choses pour toi, jeune femme, tout le coup. Romains 10, verset 11. Romains 10, verset 11. Quiconque en lui ne sera point conçu. Quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui ne sera point conçu. La confusion dans le monde d'aujourd'hui. La confusion partout. La confusion dans les foyers. La confusion dans les maisons. La confusion dans ce pays. La confusion dans le monde. La confusion dans ta famille. La confusion dans ton marché. La confusion au milieu de tes enfants. Parce que l'homme cherche Dieu là où Dieu n'est pas. Parce que l'homme cherche Dieu par ses propres moyens, par ses propres voies. N'est-ce pas le moyen initial que Dieu lui-même a recommandé dans sa parole. La confusion, partout c'est la confusion. Dans le monde entier, quel pays se lève contre tel, tel réclame tel, tel bagarre pour le boulot, le diamant, le pétrole, tel fait la guerre à tel, à cause de ses intérêts. La confusion, le sang des riz a augmenté, le sang de farine, l'huile, la famille, tout ça, la confusion partout. Parce que l'homme a abandonné son créateur. L'homme a abandonné son Dieu. C'est pour cela qu'il y a la confusion partout. Dans les familles, voici venir la saison où on fait une réunion familiale. Mais la confusion même parmi les familles. La confusion partout. Même dans l'État, la confusion. Parce que l'homme a perdu Dieu. L'homme s'est éloigné de la voie de Dieu. Du coup, il s'est livré à ses propres penchants. Il s'est livré aux œuvres des ténèbres. Et attirant la colère de Dieu sur le pays, sur toute la terre. Et le Seigneur dit dans sa parole que lorsque tu vas désobéir à ses ordonnances, même la sol, le sol, la terre sur laquelle tu seras, te vomira. La terre a vomi les hommes aujourd'hui. À cause des abominations qui se passent sur la terre actuellement, on voit même les hommes mariés épouser les animaux jusqu'à célébrer mon Dieu, mon Dieu, Dieu. Quelle abomination! La Bible dit qu'un tel homme sera puni de mort, même la bête sera punie de mort. L'homosexualité, toute opinion sur lui maintenant. Les hommes couchent avec les femmes avec les femmes. Quelle abomination! C'est un péché qui a mis la colère de Dieu sur le pays. Alléluia. C'est un péché. C'est un péché qui a mis la colère de Dieu sur ce pays. La confusion partout. Jamais on n'a vu une poule croiser une poule. Jamais on n'a vu un con croiser un coq. Jamais on n'a vu une chèvre courir après une chèvre. Jamais on n'a vu un chien croiser un chien. Mais l'homme est tombé plus bas que l'animal. Plus bas que l'animal. Quelle abomination. Et ça tue la colère de Dieu sur le pays. Ça tue la colère de Dieu sur la terre. Et toi qui fais ces choses, la colère de Dieu sur la terre. Romains chapitre 10, verset 13. Chacun propose son secret. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aujourd'hui, l'homme cherche la solution à son problème. Mais il cherche au fond en moi. Puis Dieu s'est allé se réfugier dans les sectes occultes. Et quand ça, tout ça, la rose pour la femme dans son mari, parce qu'il cherche la solution. Laissant là où la solution se trouve. La Bible dit, ici dans Romains 10, verset 13, que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais quel est le nom du Dieu que tu invoques? Tu invoques Satan dans ton sanctum. Tous les minuit, il faut que tu descendes au garage coucher avec ton chien. Quelle abomination à cause des conditions qu'il faut remplir. Il faut coucher avec ta mère parce que tu veux l'argent. Il faut coucher avec ton propre enfant, ta propre fille, parce que tu veux l'argent. Tu vends ton anus, parce que tu veux l'argent. Tu vends ton derrière, parce que tu veux l'argent. Tous les mots bien-aimés, le mal est appelé bien. Le bien est appelé mal. Les chaînes de l'occultisme, les chaînes de la franc-maçonnerie, les chaînes de la haute croix, puis les chaînes des cancans,
Toutes ces choses, ces pratiques abominables, même ces coutumes de sorcellerie que nos parents nous ont laissées. Et plusieurs sont encore dans ces choses. Tu cherches la solution. Tu dis non, si j'abandonne ça, je vais mourir. Faux, erreur. Jésus peut te sauver de la femme à son lit. Jésus est la solution à ton problème. Jésus peut te délivrer de l'occultisme, du maraboutisme. Oui, abandonne des choses. Jésus peut apporter quelque chose pour toi. Tu veux déclarer, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et Jésus est disponible ce matin pour te sauver. Je vais toi.